Praise the Lord, Gloire au Seigneur, de partout où vous nous rejoignez ce matin, ce jour est le jour que Dieu a fait, nous nous réjouirons et nous serons dans l'allégresse. C'est un jour merveilleux, un beau jour, un jour d'honneur, un jour de gloire, un jour pour déclarer la gloire du Seigneur et la présence du Seigneur. Je crois qu'aujourd'hui vous serez bénis par le Seigneur, sa main vous touchera, sa main sera puissante au nom de Jésus. Je déclare et décrète qu'en ce jour, vous serez bénis par Dieu. La main du Seigneur vous touchera et vous aurez un témoignage. Nous croyons au Seigneur qu'en ce jour, les choses marcheront pour vous. Et la parole du Seigneur s'accomplira dans votre vie. Ce matin, nous prions en nous basant sur l'alliance du Seigneur, le Dieu qui garde son alliance, le Dieu qui garde, qui est fidèle à sa parole. Il dit et il fait ce qu'il a dit. Dieu a établi plusieurs alliances avec l'homme pendant les âges. Une alliance est un accord scellé avec le sang, possiblement. C'est plus qu'un contrat. C'est souvent décrit comme un contrat, mais c'est plus puissant qu'un contrat. C'est un accord qui est scellé. Et c'est souvent entre une personne qui peut accomplir la plus grande partie et l'autre personne qui recevra les bénéfices. Dieu s'est engagé dans toutes les alliances qu'il a faites et nous sommes les récepteurs, mais nous avons aussi notre part à jouer. Aujourd'hui, toutes les alliances que Dieu a faites avec vous s'accompliront dans votre vie. Plusieurs alliances sont attachées à des commémorations, quelque chose de très signifiant. La raison pour laquelle nous prenons la Sainte Cène, c'est une façon, un moyen de garder notre alliance avec Dieu le Père, une alliance qu'il a scellée avec son sang et son corps. Dans la Bible, nous constatons six alliances majeures qui ont été signées. La première de ces alliances est celle que nous appelons l'alliance adamique. L'alliance adamique, Dieu a dit à Adam, « Prends soin du jardin et en retour, je te bénirai, je prendrai soin de toi et je te prospérerai. » Dieu a rempli sa part et Adam est celui qui a rompu l'alliance en touchant ce que Dieu l'avait interdit de faire et les conséquences ont suivi. Et la deuxième alliance dans la Bible, c'est l'alliance avec Noé, l'alliance que Dieu a faite avec Noé. La définition de cette alliance est une promesse sans condition de ne plus amener le déluge. Même lorsque les eaux d'un tsunami s'élèvent, mais se souviendront de celui qui établit l'alliance et les eaux reculeront et retourneront à leur place. Cette alliance est retrouvée dans le livre de Genèse, chapitre 9, versets 1 à 17. Et l'accomplissement de cette alliance est dans Apocalypse 21, là où ça dit qu'il n'y aura plus de mer lorsque cette terre passera. Et la commémoration de cette alliance est que Dieu a placé un arc-en-ciel dans le ciel. Genèse 9, 1 à 17. Donc, chaque fois que nous voyons l'arc-en-ciel, cela nous rappelle le Dieu qui garde son alliance. Et la troisième alliance est l'alliance faite avec Abraham. C'est une alliance où Dieu a promis à Israël de leur donner une terre et il leur a promis de les diriger, de les bénir, de leur donner la puissance de dominer et de les bénir spirituellement. Cela a été accompli et cette promesse est trouvée dans Genèse chapitre 12, versets 1 à 3. Genèse 15 à 18. Ça dit, tout le pays que tu vois devant toi, je te donnerai à toi et à tes descendants pour toujours. Et c'est pour cela que même lorsqu'ils étaient éparpillés sur toute la terre, les Juifs, ils sont toujours revenus sur la terre qui leur a été promise, qui est l'accomplissement de la parole de Dieu. Quand les gens s'y opposaient, les Nations Unies les ont rappelés que non, ils n'agissent pas seulement par un simple désir, mais c'est par rapport à l'alliance que Dieu avait établie avec,
Abraham. Donc même si les Nations Unies ne le reconnaissent pas, mais Dieu le reconnaît. Et nous le voyons aussi qu'avec la présence continuelle et permanente des enfants d'Israël sur cette terre. Galates 3:17, Israël a aussi une place dans cette nouvelle alliance. Nous le verrons plus tard. Et le signe et la commémoration de cette alliance, c'est la circoncision. Genèse 17, verset 11. La quatrième alliance que Dieu a faite avec l'homme, c'est l'alliance avec Moïse. C'est une alliance qui a été signée lorsque Moïse dirigea le peuple. La définition de cette alliance est une bénédiction permanente pour Israël. Que si Israël, disant que lorsqu'Israël garderait la loi lévitique, la bénédiction viendrait sur elle. Et la promesse est dans Exode 19 jusqu'à Exode 31. Elle est exactement trouvée dans Deutéronome 28 où la bénédiction et la malédiction sont décrites. Et l'accomplissement, le premier accomplissement de la promesse, c'est Christ lui-même. Romains 7, 14. Christ est l'accomplissement de la loi. Et le signe de cette alliance, c'est le sabbat. Exode 31, verset 13, qui dit que si les enfants d'Israël gardent le sabbat, garder le sabbat, c'était le moyen par lequel ils se connectaient à cette alliance. Et donc, la cinquième alliance, c'est l'alliance avec la Palestine. Ça, c'est la terre. Ça, c'est la terre qui était promise à Israël, commençant de l'Égypte jusqu'à le fleuve Euphrate. Donc, techniquement, Israël était censé aller de l'Égypte jusqu'en Irak. Mais ils n'ont pas pris toutes ces terres-là. Deutéronome 13, versets 1 à 10. Et l'accomplissement est que leur terre est bénie. Amos 9, 1 à 13. Il n'y a pas eu de signe donné pour l'alliance avec la Palestine. Il n'y avait pas une sorte de commémoration pour cette alliance. Mais ensuite, nous avons eu l'alliance avec David, qui est l'alliance numéro 6. Bien que l'alliance avec David est une promesse d'un règne politique pour tout descendant de David. Dieu a dit, tant que la terre subsistera, il y aura un fils de David sur ce trône. Donc Jésus vient par cette voie. 2 Samuel 7, 12 à 17. Et toutes les fois que le règne qu'un fils de David avait été renouvelé, Amos 9, 1 à 12. Christ, également assis à la droite du Père Céleste, Actes 2, 34 à 36. Donc, il vient par la racine de David et il est appelé le rameau du tronc d'Isaïe. Et numéro 7, c'est la nouvelle alliance. L'alliance sur laquelle vous et moi, nous sommes venus à connaître le Seigneur. Ceci est caractérisé par l'habitation du Saint-Esprit en nous et la loi écrite sur nos cœurs. Et le pardon nous est donné par le sang de Jésus-Christ. Et ceci est basé sur Jérémie 31, versets 31 à 34. L'apôtre Paul et les autres apôtres, 2 Corinthiens 2, 3 à 4, faisaient partie de l'accomplissement de cette alliance. Un jour également, Israël sera sauvé, ils feront partie de l'accomplissement de cette nouvelle alliance. La coupe du Seigneur, la Sainte Cène, est le moyen par lequel nous scellons cette alliance tout le temps. Comment est-ce que cela s'applique à nous? Quand vous venez devant Dieu pour prier, quand vous venez devant Dieu pour recevoir, en ayant l'alliance avec nous, cela veut dire que Dieu est obligé par sa loi, par ses statuts, afin d'accomplir ce qu'il a dit qu'il fera. Et on sait qu'il ne va jamais rompre son alliance sacrée. Il ne va jamais rompre une promesse sacrée. Quand on demande la guérison, c'est pas simplement parce que ça a été écrit dans un livre. Shakespeare aurait pu écrire « Tu seras guéri ». Mais c'est parce que
C'est à cause de ce qui est dans, c'est parce que ce qui est dans le livre a été scellé avec le sang. Ne vous inquiétez pas sur la vieillesse de cette Bible. C'est une Bible assez spéciale qui parle plus des derniers jours. Je l'ai acheté il y a cela 46 ans. Donc, elle a vraiment été usée. Mais quand nous demandons toute chose, c'est basé sur un livre scellé avec le sang de Jésus. On parle de l'Ancien Testament parce qu'il avait été scellé avec le sang des animaux, et on appelle la Nouvelle Alliance parce que c'était scellé avec le sang du Fils de Dieu. Donc, quand on s'approche de Dieu, on ne va pas en tâtonnant, mais on se base sur les lois et sur les statuts établi par le sang et qui sont accomplis par celui qui s'est engagé à le faire. Donc préparez-vous ce matin, car la percée, la faveur vient dans votre vie. Vous allez bientôt marcher dans une grâce et une dimension que vous n'avez jamais connue auparavant. Psaume 74, 20. Considérez donc l'alliance, car les lieux obscurs de la terre sont remplis de violence. Père, au nom de Jésus, en cette saison, quand il y a l'obscurité sur la terre et quand il y a la violence démoniaque qui arrache des vies et qui prend les jeunes comme les personnes âgées, mais par ton alliance, toi le Dieu qui garde son alliance, en nous déclarant dans nos vies aujourd'hui que nous ne sommes pas pour une récolte démoniaque. Nous ne sommes pas faits pour une récolte satanique. Seigneur, considère ton alliance de protection et protège ton peuple. Garde ton peuple. Qu'aucun mal ne leur arrive, qu'aucun danger ne s'approche d'eux. Tu as dit que tu prendras en considération ton alliance. Donc, Seigneur, fais-le à cause du nom qui est au-dessus de tous les noms. Tu le diras et tu l'accomplis. Tu le penses et tu le fais. Seigneur, accomplis ton alliance de protection sur ton peuple. Seigneur, considère ton alliance. Tout ce qui se cache dans les lieux obscurs, nous le déclarons maintenant, alors que ce vent démoniaque souffle sur le monde et qui récolte des âmes, nous ne faisons pas partie de sa récolte. Nos enfants ne font pas partie de sa récolte. Nos familles ne font pas partie de sa récolte. Les personnes qui sont connectées avec nous ne font pas partie de cette récolte. Nous serons couverts, nous serons protégés au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Lévitique 26, 11. Donc je me tournerai vers vous et je vous rendrai fructueux et je vous multiplierai et j'établirai mon alliance avec vous. Ce matin, Seigneur, nous nous accrochons à cette parole que tu nous as donnée et nous déclarons que nous ne serons pas stériles. Celui qui a dit que tu seras fécond est celui qui garde sa parole, son alliance. Nous serons non seulement féconds, mais nous allons nous multiplier. Ta parole l'a dit et ta parole est vérité. La première chose que tu as dite à l'homme, Genèse 1, 28, était que l'homme soit fécond et qu'il se multiplie, qu'il remplisse la terre et qu'il l'assujettisse. Ce matin, je déclare dans la vie de toute personne connectée avec nous ce matin, la fécondité vous accompagne, la multiplication vous accompagne. Pas des problèmes multipliés, mais la joie multipliée, la faveur multipliée, les témoignages multipliés, le changement multiplié, la guérison multipliée, la gloire multipliée. Vous serez fécond et productif sur la terre. Si les autres ne le sont pas, mais vous, par l'alliance, vous serez fécond et productif. Vous serez fécond et productif. Vous serez fécond et productif. Néhémie 1, verset 13. Néhémie 1, verset 5. Et je dis au Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Et qui observe ses commandements. Ce matin, ô Dieu, tu es le Dieu du ciel et de la terre, le Dieu grand, celui qui garde son alliance et ta bonté.
Tu la gardes, tu ne la brises pas, tu ne la romps pas. Quelqu'un s'est approché de toi, ô Dieu, quelque part dans le monde, avec un fardeau dans leur cœur, avec un désir dans leur esprit, avec quelque chose que tu leur as promis dans ta parole. Et nous savons que tu n'es pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour te repentir. Nous relâchons l'accomplissement ce matin. Dieu plein de bonté, Dieu qui garde son alliance, nous t'invoquons ce matin, nous crions à toi que les cieux s'ouvrent et que ton peuple voit l'accomplissement, que ton peuple voit les réponses, que ton peuple voit l'accomplissement, que ton peuple voit les réponses et que ton nom soit glorifié, que ton peuple voit l'accomplissement et que ton peuple voit les réponses. Père céleste, fais-le. Glorifie ton nom, Jésus. Jésus, Dieu Saint, Sauveur, Jésus, fais-le. Nous te remercions parce que nos yeux le verront et nos mains le toucheront. Néhémie 9, verset 32. Néhémie 9, 32. Et maintenant, ô notre Dieu, Dieu grand, puissant et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui exerces la miséricorde, ne regarde pas comme peu de choses toutes les souffrances que nous avons éprouvées. Nous, nos rois, nos chefs, nos sacrificateurs, nos prophètes, nos pères et tout ton peuple depuis le temps des rois d'Assyrie jusqu'à ce jour. Jésus, nous venons devant toi aujourd'hui. Ce n'est pas facile dans le naturel d'être dans le confinement. Ce n'est pas facile dans le confinement d'être dans l'isolement. Mais Seigneur, nous déclarons et décrétons ce matin que cette douleur ne sera pas en vain, elle ne sera pas gaspillée, cette attente ne sera pas en vain, ce confinement ne sera pas en vain. Le fait de rester à la maison, ce ne sera pas en vain, mais dans ta bonté, toi Dieu qui garde son alliance, retourne ce temps dur en un témoignage, retourne ces moments difficiles en un témoignage, retourne ces moments durs en un témoignage. Fais de ces temps de limitation dans le naturel et fais qu'ils deviennent une porte ouverte dans le monde spirituel. Nous crions à toi aujourd'hui, ô Dieu, toi Dieu qui garde son alliance. Nous sortons de ces temps difficiles, nous sortons de cette douleur dans un lieu agréable, dans un lieu merveilleux, dans un moment merveilleux et grand, dans la prospérité, dans le témoignage. Nous le déclarons au nom de Jésus. Néhémie a écrit ce passage biblique parce que lui et les autres étaient esclaves en Babylone. C'était par honneur et privilège qu'il avait été amené à être celui qui servait le roi. Et donc, l'opportunité lui avait été donnée de venir rebâtir la muraille de Jérusalem. Mais avant d'être envoyé, il reconnaissait la douleur qu'ils avaient ressentie étant dans un pays étranger. Partout où tu es, dans ce confinement, dans cette distanciation sociale, dans ce fléau sur toute la terre, de partout qu'il soit venu, cela n'est pas agréable à toute personne qui aime le commerce, qui aime les affaires, qui aime servir Dieu, qui aime être à l'église et servir. Et tout ce qui cause les églises à fermer le dimanche de Pâques, cela vient de Satan. Dieu intervient. Que Dieu se lève. Que Dieu se lève. Lève-toi pour nous à cause de ton alliance. Lève-toi pour nous à cause de ton alliance. Lève-toi pour nous, pour nos enfants, pour nos familles. Lève-toi pour nous, Seigneur. Donne-nous la victoire. Donne-nous la victoire. Donne des témoignages à ton peuple. Jésus, Jésus, Jésus. En cette saison, ô Dieu, permets que nous voyons ta main à l'œuvre et que ton nom soit glorifié. Deutéronome 8, 18, un passage très populaire. Deutéronome 8, 18. Mais tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force ou la puissance d'acquérir les richesses, afin de confirmer son alliance qu'il a jurée à tes pères jusqu'à ce jour. Seigneur, par l'alliance,
Tu as dit que tu béniras notre coupe et notre eau. Par ton alliance, tu as dit, nous serons la tête et non la queue. Par ton alliance et par cet accord basé sur le sang, scellé par le sang, tu as dit que nous serons féconds et nous nous multiplierons et nous remplirons la terre. Par ton alliance établie par le sang, tu as dit, aussi loin que nos yeux arrivent à voir, que nous le posséderons, car nous sommes fils et filles d'Abraham et nous venons devant toi ce matin. Nous proclamons et nous prophétisons l'accomplissement de ta parole. Souviens-toi, ô Seigneur, souviens-toi, Seigneur, tout ce que tu as promis. Nous recevons la faveur, nous recevons la richesse, nous recevons la santé, nous recevons tes promesses, nous recevons tes promesses de guérison. Exode 15, 26 nous dit, je n'amènerai pas les maladies de l'Égypte sur vous, car je suis l'Éternel qui vous guérit. Quelqu'un connecté avec nous en ce temps de prière et d'attente auprès du Seigneur, je maudis toute maladie dans ton corps et je déclare une restauration de ta santé totale. Je déclare ta santé, je déclare ta santé, je déclare ta santé. Le Dieu qui a fait alliance en disant qu'il guérira notre corps, il va relâcher ses vertus dans ta situation maintenant. Il relâche sa vertu dans ta situation maintenant. La faveur vient à toi, le témoignage vient à toi au nom de Jésus. Exode 2, 25. Et Dieu entendit leurs cris. Et Dieu se souvint, entendit leurs gémissements. Et il se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Il s'est souvenu de son alliance faite par le sang à Abraham, où il a dit à Abraham, je te bénirai, je ferai toi une grande nation. À Isaac, reste dans ce pays et je te bénirai. Et à Jacob, je te ramènerai en ce lieu-ci où tu viendras me bénir et me glorifier. L'Éternel qui le dit et qui l'accomplit, le Dieu qui garde son alliance, le Dieu qui garde souvenir, il se souviendra de ta maison, de ton foyer. Je viens d'avoir une révélation, j'ai vu des chaînes qui se sont brisées. Toute chaîne qui a retenu quelqu'un, ces chaînes sont brisées maintenant, elles se brisent maintenant, elles se cassent, elles se brisent maintenant. Quelqu'un est libéré. Nous déclarons et décrétons ce matin une victoire totale, une liberté totale, la puissance de Dieu qui vous touche partout où vous êtes, la faveur de Dieu qui vous touche, la guérison qui vous touche, la gloire qui vous touche, le témoignage de Jésus-Christ sera grand et puissant dans votre vie d'une façon que vous n'avez jamais imaginé avant. Tout gémissement et dans ce confinement, tout gémissement ne sera pas en vain. Toute douleur que tu as ressentie ne sera pas en vain. L'argent que tu as perdu, tout sera restauré. Tu auras une restauration. Les opportunités que tu as ratées, elles seront restaurées. Il y aura une restauration au nom de Jésus. Exode 6, 5. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude et je me suis souvenu de mon alliance. Toute chose qui t'a retenu, le Dieu de l'alliance, il te libère maintenant. Toute chose qui a pris ta santé, ta paix, ta joie, doit te laisser partir. Tu entres dans un lieu où tu vas vivre l'accomplissement, l'honneur, la gloire, l'accomplissement, la joie, l'honneur et la gloire. Je déclare ce matin que Dieu qui entend les gémissements, il t'a entendu. Certains d'entre vous êtes dans un endroit où vous pleurez auprès de Dieu depuis des années, des semaines et des jours. Voici la saison, voici l'accomplissement. Voici la saison, voici l'accomplissement. Au nom de Jésus. Lévitique 26, 14. Lévitique 26, 14.
Je me souviendrai de mon alliance avec Jacob et mon alliance avec Jacob et mon alliance avec Abraham. Et je me souviendrai du pays. Le Dieu qui se souvient, le Dieu qui se souvient, tu es sur sa liste pour qu'il se souvienne de toi. Ta famille est sur la liste, ton entreprise est sur cette liste, tes enfants sont sur cette liste, tout ce que tu fais est sur la liste pour que Dieu s'en souvienne. Dieu se souviendra de toi, le ciel se souviendra de toi en cette saison que tu as traversée et que tu traverses encore. Ce sera un temps où Dieu se souviendra de toi. Genèse 8 dit que Dieu se souvient de Noé. Le Dieu qui s'est souvenu d'un homme qu'il a mis dans une boîte avec en fermant de l'extérieur et Dieu lui-même est venu ouvrir. Il se souviendra de toi. Et Dieu se souvient de Sarah. Le Dieu qui peut se souvenir d'une femme de 90 ans et choquer son monde. Imaginez si c'était aujourd'hui. Les journaux auraient perdu la tête. Les médecins ne sauraient pas quoi faire. Il n'y a pas de terme médical pour décrire ce qui est arrivé à Sarah. Et Dieu se souvient de Sarah. Que Dieu, d'une façon qui n'a jamais été vue avant ni entendue avant dans ta famille, parmi tes collègues, que Dieu se souvienne de toi. Et Dieu se souvint de Rachel, malgré le fait qu'elle était belle et même insultée, méprisée, que Dieu se souvienne de toi. Que Dieu se souvienne de toi. Et Dieu se souvint d'Élisabeth dans son âge avancé. Que Dieu se souvienne de toi. Et Dieu se souvient de la femme de Manoah, la mère de Samson, dans son âge avancé. Quand les personnes ont dit « c'est fini pour toi » et ils ont dit « c'est peu probable que cette personne réussisse ». Cette personne n'a pas de chance pour avoir d'enfant, c'est peu probable qu'ils aient une percée. Ils ne peuvent pas faire des choses, ils ne peuvent rien faire à l'âge qu'ils ont atteint. Mais que le ciel parle pour toi et que le ciel retourne les choses en ta faveur. Lévitique 26, verset 45. Mais je me souviendrai pour elle l'alliance que j'ai faite avec leurs ancêtres, que j'ai sorti du pays d'Égypte devant les nations, afin que je sois leur Dieu. Je suis l'Éternel. Toute personne verra que Dieu règne réellement dans ta vie. Jéhovah est ton Dieu, et il n'y en a point d'autre. Tu seras un témoignage. Psaume 105, verset 8 à 11. Psaume 105, 8 à 11. Psaume 105, 8 à 11. Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac, il a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle, disant, « Je te donnerai le pays de Canaan comme héritage qui vous est échu. » Ce matin, le Dieu qui parle et qui le fait, qui le renouvelle même avec les enfants et le fait continuer, et il le fait, il établit, pour toujours, que la faveur de Dieu en perpétuité, que la bénédiction de Dieu en perpétuité, que les trésors de l'Éternel qui leur sont donnés perpétuellement, que cela soit ton partage, que cela soit ton partage. Non seulement pour une saison, mais perpétuellement. Tu marcheras dans la dimension de la bénédiction que tu n'as jamais connue. Et que cette grâce repose dans ta maison. Non seulement pour toi, mais pour tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants, les générations à venir qui
bénéficieront de tout ce que Dieu a fait pour toi, qui recevront tout ce que Dieu a fait pour toi, à perpétuité, une santé hors de commun, perpétuellement, une prospérité hors de commun, à perpétuité, un esprit fort et vivant servant le Seigneur, à perpétuité, toi étant un point de repère et un témoignage pour Jésus-Christ, à perpétuité, toi étant un point de repère pour la joie du Seigneur, pour la bonté du Seigneur, quand on parle du juste qui est béni, que tu sois ce point de repère. Toute flèche maléfique qui t'est lancée et bouche maléfique est réduite au silence pour toi. Psaume 106, 45. Psaume 106, 45. Et il se souvint de son alliance en leur faveur, et il eut pitié selon sa grande bonté. Il se souvint en leur faveur de son alliance. Il eut pitié selon sa grande bonté. Et j'aime également ce que ça dit dans Psaume 89. Ça, c'est un de mes passages préférés. Psaume 89, 33. Mais je ne lui retirerai pas mon amour et je ne trahirai pas ma fidélité. Je ne vais pas dédaigner l'alliance que j'ai faite avec mon serviteur et je ne vais pas changer ce que mes lèvres ont prononcé. Il y a des hommes qui ont signé le contrat avec moi, mais qui n'ont pas pu le remplir et le contrat a dû être annulé. Et il fallait refaire un nouveau contrat. Il y a des personnes qui ont signé des contrats avec moi qui sont revenues plus tard pour me demander, mais est-ce que je t'ai connu? Est-ce que je t'ai connu avant? Ils m'ont vendu des terres. Mais puisque la terre a augmenté en valeur, ils ont changé d'avis en disant, mais on n'a jamais entendu parler de toi. Mais Dieu dit, je ne vais pas violer mon alliance et je ne changerai pas ce que mes lèvres ont prononcé. Makusika eti prunaderis. Everyone who's connected to this morning's worship. Toute personne connectée avec nous ce matin en adorant et en priant, tu as été en ce lieu où tu as pleuré, les larmes ont coulé, tu te demandais, Seigneur, qu'en est-il de ma maison qui est divisée et brisée? Où est-ce que je suis avec cette douleur? Mais à cause de ce Dieu qui garde son alliance, celui dont la parole ne peut être changée et sa parole ne peut jamais être annulée, ce qu'il annonce, il ne le change pas. Que l'accomplissement devienne une réalité dans ta vie. L'accomplissement de la guérison, l'accomplissement de la percée, l'accomplissement du témoignage. Que cela soit une réalité dans ta vie. Verset 35 de Psaume 89, il dit, je ne violerai point mon alliance et je ne changerai point ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai juré une fois par ma sainteté. Mentirai-je à David? Sa postérité subsistera pour toujours. Son trône sera devant moi comme le soleil. J'ai juré une fois par ma sainteté et mentirai-je à David? La Bible nous dit que Dieu a jugé par deux choses immuables par lesquelles il accomplira sa parole. Immutable veut dire qu'on ne peut pas changer. Tout ce qui a le préfixe IM avant veut dire que cela ne peut pas t'arriver. Quand tu dis IM impossible, veut dire que ça ne peut pas être possible. Donc, quand on dit immutable, ça veut dire la mutation, c'est quand quelque chose change. Le coronavirus, par exemple, c'était un coronavirus qu'on a eu avant, mais il y a eu une mutation que la médecine ne connaît pas, pour laquelle on n'a pas un vaccin. Donc, ça veut dire immutable ou immuable, cela veut dire que Dieu ne peut pas changer. Ce Dieu saint, ce Dieu qui ne peut pas mentir. Si tu lui dis de mentir et qu'il appelle ce qui est noir blanc, dès qu'il dit que ce qui est noir et blanc, cela doit changer de couleur. Donc, quand Dieu dit qu'il fera, prépare-toi. Quand il te promet quelque chose, prépare-toi. Dis-toi, il faut que je me prépare parce que la porte sur laquelle tu frappais est prête à être ouverte. La guérison est prête à se manifester. La guérison est prête à se manifester. Le témoignage n'est pas loin. La faveur arrive. La joie va se manifester. Et tes larmes seront essuyées. Ceux qui se sont moqués de toi viendront te rejoindre avec action de grâce et célébration au nom de Jésus-Christ. Psaume 111, verset 5. Psaume 111,
verset 5. Il a donné la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient de son alliance pour toujours. Il y a des personnes qui font des promesses pendant le moment et ensuite ils oublient. Mais Dieu n'oubliera pas. Dieu ne t'oubliera pas. Et il a dit, pour prouver que je ne t'oublierai pas, j'ai inscrit ton nom sur la paume de ma main. Prépare-toi pour l'accomplissement. Prépare-toi pour les témoignages. Prépare-toi pour une invasion hors de commun de la grâce de Dieu dans ta vie. Deutéronome 7, 9. Deutéronome 7, 9 et verset 12. Deutéronome 7, 9 et verset 12. Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu, ce Dieu fidèle, qui garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la millième génération. Mes arrière-petits-enfants ne peuvent jamais être pauvres à cause de l'alliance que Dieu a faite avec moi et par l'alliance qui a été scellée avec le sang jusqu'à la millième génération avec ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. Verset 12. Si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez et les mettez en pratique, l'Éternel, ton Dieu, gardera avec toi l'alliance et la miséricorde qu'il a juré à tes pères. Ce Dieu qui garde son alliance, qui dit ce qu'il fait et qu'il fait ce qu'il dit, il va magnifier son nom dans ta maison. Tout ce à quoi tu t'es accroché, ce que tu espères de lui, tes yeux le verront et tes oreilles l'entendront. Ronosia et honorimi kushkadia, lebrokoskiria, namoson di brado taleri. Get ready. Préparez-vous pour un accomplissement hors de commun, non seulement pour toi, mais pour tous ceux qui habitent dans ta maison, les portes qui s'ouvrent, la faveur qui vient au nom de Jésus. 1 Rois 8:3 dit, ô Seigneur éternel, Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu comme toi dans le ciel ni sur la terre, qui garde son alliance et qui montre la bonté à ses serviteurs qui marchent devant toi de tout leur cœur. Père, nous venons devant toi ce matin en toute humilité. Nous te remercions parce que tu es le Dieu qui garde son alliance et tu accompliras tes promesses. Tu feras tout ce que tu as dit dans notre vie, ta promesse de guérison, ta promesse de provision, ta promesse de délivrance sera notre réalité. Nous témoignerons. La bonté du Seigneur reposera sur ton peuple au nom de Jésus. Juges 2, verset 1. Et l'ange de l'Éternel vint de Gilgal jusqu'à Bochem. Et il dit, je t'ai sorti d'Égypte et je t'ai amené sur la terre que j'ai juré à tes pères. Et j'ai dit, je ne romprai jamais mon alliance avec toi. Père, nous recevons cette parole. Ta parole, ton alliance ne sera pas rompue. Tu l'accompliras. Nos yeux le verront et nos mains le toucheront et notre bouche témoignera de la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Au nom de Jésus. Ésaïe 54, 10. Car les montagnes peuvent être déplacées et les collines peuvent être secouées, mais ma bonté ne sera pas retirée de toi. Et mon alliance de paix n'échouera pas, ne chancellera pas, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Tout ce que tu as traversé dans ces temps récents sera un témoignage pour toi.
Tu seras un repère, un point de repère de la bonté du Seigneur, la preuve de sa paix, la preuve de sa compassion. Que ta vie soit un point de repère, soit un indicateur de la bonté de Dieu, la paix de Dieu, la compassion de Jésus. Que tu sois réellement un point de repère de la bonté de Dieu, son alliance de paix, sa main de compassion. Quand nous regardons à ta vie, que nous voyons la grâce, la main, la paix, la faveur de Dieu. Je déclare ce matin que le Dieu qui garde son alliance ouvrira tes yeux pour que tu vois sa bonté sur la terre des vivants. Tu vas témoigner au nom de Jésus. Un des passages les plus forts et puissants sur l'alliance est Jérémie 33, verset 25. Un des plus puissants. Il dit ainsi par l'Éternel, « Si je n'ai pas fait mon alliance avec le jour et la nuit, si je n'ai pas établi les lois des cieux et de la terre, alors je rejetterai la postérité de Jacob. Si mon accord avec le soleil et la lune, que le soleil brillera toujours et la lune sera toujours là, si cela est accompli, donc je ne romprai jamais mon alliance avec toi. Ouvre tes mains. Ce jour, je déclare que ces mains porteront la faveur. Ses mains vont gérer de grandes choses. Ses mains feront de grandes choses. Tes mains seront posées sur les rêves de ton cœur et ils seront accomplis. Ils seront accomplis au nom de Jésus. Tes mains prospéreront. Tes yeux verront la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. La saison est arrivée pour que tu marches dans la dimension que tu n'as jamais connue avant. Quand la pandémie sera arrivée à sa fin, tu ne retourneras pas à ce qui était régulier. Tu ne retourneras pas au normal, mais tu iras dans le surnaturel. Tu entreras dans une nouvelle dimension. Quand les gens ne savent même plus où aller, ils ne savent pas se retrouver, ils ne savent pas où commencer, Dieu te donnera tant de portes majeures, de grandes portes, des témoignages, des portes surnaturelles. Je le déclare ce matin, je relâche les miracles surnaturels dans ta vie, que ce Dieu qui garde son alliance va commencer à faire des choses selon son accord, selon son accord, selon son alliance. Ainsi soit-il. La parole du Seigneur ne sera pas changée. Elle ne sera pas annulée. Elle deviendra ta réalité. Jésus l'accomplira. Daniel 9, verset 4. J'ai prié à l'Éternel, mon Dieu, et j'ai confessé. Ô Éternel, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais ta miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, le Dieu qui a sorti Daniel de tous ses problèmes gardera son alliance avec toi. Tes yeux le verront et ta bouche va le témoigner. Le Dieu qui garde son alliance, va œuvrer de manière si grande dans ta vie comme personne ne l'a vu auparavant. Tu seras le point de repère au nom de Jésus. Genèse 9, verset 15. Et je me souviendrai de mon alliance qui est entre toi et moi. Et tout animal sur la terre. Et le Dieu qui aujourd'hui parle par son alliance, comme il a juré que le déluge ne viendra plus, tout mal que tu as vu auparavant, cette affliction ne reviendra pas.
à cause du Dieu qui garde son alliance, l'affliction ne se relèvera pas une deuxième fois dans ta vie. L'affliction de la maladie, nous te maudissons et nous te commandons de mourir. Nous t'ordonnons de mourir. Nous déclarons la santé. Nous déclarons la faveur. Nous déclarons la bénédiction. Toute situation, tout problème qui vient de la famille de ton père, des problèmes, des malédictions, des choses que tu as héritées de ta mère et qui t'ont ralenti dans la vie, le Dieu qui garde son alliance brise leur puissance. Il brise leur puissance. Tu commences maintenant à marcher dans la plénitude de l'accomplissement des Écritures et de la parole. Et tu seras le point de repère de toute réalité de cette nouvelle créature, la réalité de la nouvelle créature. Toutes les bénédictions de la nouvelle création en Dieu, que tu marcheras dans la plénitude de tous ces bénéfices au nom de Jésus. À partir de ce jour, les gens te regarderont et ils verront la grâce, ils verront la faveur, ils verront la bénédiction. Tu seras le point de repère de la grâce du Seigneur, de la bonté du Seigneur au nom de Jésus. Deutéronome 4:31, car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu de compassion. Il ne va pas t'abandonner, il ne te détruira point. Et il n'oubliera pas l'alliance qu'il a faite avec qu'il a juré à tes pères. Un Dieu de compassion, nous venons devant toi ce matin et nous prions pour notre pays. Nous prions pour nos pays. Dieu de compassion, souviens-toi de ton alliance. Tu as dit, si tu trouves un seul juste, à cause de cet homme juste, tu vas agir. Tu as dit que tu vas arrêter tout fléau démoniaque à cause des justes, à cause de ceux qui te connaissent, à cause de ceux qui s'accrochent à toi, Seigneur. Nous crions à toi ce matin. Trop, c'est trop. Assez, c'est assez. Le juste a souffert par ce qui se passe, mais nous relâchons la grâce. Que ce vent maléfique soit dissipé, Seigneur. Les scientifiques et spécialistes disent que oui, on va peut-être continuer dans cela pendant les deux prochaines années, reconfinement des deux prochaines années. Seigneur, nous le refusons, nous le rejetons, nous le refusons, nous le refusons, nous rejetons un confinement de 2 ans. Nous relâchons la grâce, la faveur. Nous maudissons ce virus, nous brisons sa puissance. Nous relâchons la grâce, nous relâchons la grâce, nous relâchons la grâce, nous relâchons la grâce. Nous maudissons cette chose. Nous déclarons et décrétons sur ton peuple qu'il marche dans ta faveur, il marche dans ta bénédiction. Le coronavirus ne va pas nous renfermer. Nous nous relèvons et nous sortons avec une nouvelle force, une nouvelle puissance au nom de Jésus. Également, Seigneur, nous nous souvenons de tous les hommes et les femmes qui sont en premier rang, qui servent et qui travaillent très durement. Les médecins, les infirmiers, les ambulanciers, les personnes qui ne sont aussi pas dans le corps médical, mais qui font avancer la vie, qui font que la vie continue en ce temps. Ceux qui travaillent dans la distribution de nourriture, dans les supermarchés et dans les lieux où nous allons nous procurer de la nourriture, Seigneur, que ta paix soit sur eux. Protège leur vie, qu'aucun mal ne leur atteint. Certaines de ces personnes ont des jeunes familles, mais ils mettent leur vie à risque, Seigneur, pour nous. Couvre-les avec ta grâce, couvre-les avec ta paix. Qu'aucun mal ne leur arrive, qu'aucun danger ne s'approche de leur demeure. Grâce sur grâce, grâce sur grâce, grâce sur grâce. Et Seigneur, nous prions pour les hommes et les femmes, les gens, les dirigeants qui doivent prendre des décisions, qui ne prendront pas de mauvaises décisions, ni de décisions insensées qui ne leur bénéficient que eux et non pas nous. Nous maudissons cette chose. Nous commandons que sa puissance soit brisée et nous relâchons la paix sur le pays. La paix dans le pays, la grâce dans le pays, la paix dans le pays, la grâce dans le pays, la paix dans le pays.
que les choses soudainement changent, que les témoignages commencent à se manifester. Nous rejetons les deux années déclarées par les experts, mais nous déclarons que la volonté de Dieu sera accomplie. La volonté de Dieu sera accomplie. La volonté de Dieu s'accomplira. La volonté de Dieu s'accomplira. La faveur, la bénédiction. Toi, Dieu qui gardes ton alliance, ta parole sera notre réalité. Nos yeux le verront et nos oreilles l'entendront. Ézéchiel 16, verset 60. Ézéchiel 16, verset 60. Néanmoins, je me souviendrai de mon alliance avec vous pendant votre jeunesse et j'établirai une alliance éternelle avec vous. Que le Seigneur se souvienne de vous et qu'il renouvelle ta jeunesse, qu'il renouvelle ta force, que le Seigneur te donne une vision fraîche, de nouveaux rêves, de nouvelles idées. Le Dieu qui garde son alliance, qui ne peut pas mentir, qui ne change pas sa parole en cette saison de ta vie. Les choses qui t'a promises deviendront la réalité de ta vie. Tes yeux le verront, tes oreilles entendront de bonnes nouvelles. Je mets l'onction dans tes oreilles pour entendre de bonnes nouvelles. Tes yeux verront la faveur du Seigneur. Tu marcheras dans l'accomplissement total et absolu de toute promesse, de toute alliance que Dieu a faite, de toute promesse qu'il a donnée. Tes yeux le verront s'accomplir et tes oreilles entendront de bonnes nouvelles. Nous déclarons que entre aujourd'hui et le 30 avril, les nations du monde, il commencera à avoir de bonnes nouvelles qui viennent des nations, les nations qui s'ouvriront, les nations s'ouvriront, les nations s'ouvriront, les nations s'ouvriront, les nations s'ouvriront. Avant la fin du mois de mai, la plupart des nations de la terre seront ouvertes. Nous brisons ce truc, nous maudissons cette chose. Nous déclarons en ce jour que le vent qui a connecté les quatre coins de la terre fait dissiper, enlève et chasse cette chose de la terre. Psaume 105, verset 8. Il s'est souvenu de son alliance pour toujours, sa parole qu'il a commandée pour 1000 générations. Tu t'es connecté avec nous ce matin, je prophétise dans ta vie. Ta famille, ta maison ne sera plus un point de repère de pauvreté et de manque. Ta famille ne sera plus un point de repère de honte et d'embarras. Quand on parlera de la bonté du Seigneur, tu seras le point de repère. Tu seras le point de repère. Ceci est l'alliance que Dieu a avec ceux qui servent, avec ceux qui le servent. Tu seras le point de repère, tu seras la référence. La bonté se manifestera dans ta maison. La bénédiction se manifestera dans ta maison. L'accomplissement. Je déclare et décrète aujourd'hui que tes yeux le verront au nom de Jésus. Luc chapitre 1, verset 72. Luc 1, verset 72. Pour montrer miséricorde à nos pères et nous donner sa miséricorde. Père, à cause de ton alliance, fais miséricorde à quelqu'un qui est connecté avec nous, même pendant cette pandémie du coronavirus. Donne-leur un témoignage hors de commun où ils se demandera même, disant que au milieu de cette pandémie, toi, Éternel, tu as fait ceci pour moi. Seigneur, fais-le. Nos sauveurs, fais-le pour nous. Au milieu, pendant cette pandémie du coronavirus, une percée majeure de toute autre percée. 2 Samuel 5, verset 20. Et David appela ce lieu Baal Perazim, car l'Éternel a bâti mes ennemis comme l'eau qui s'écoule. Baal peut-être était le nom d'un démon dans l'Ancien Testament, mais ça veut dire aussi maître, grande, majeur. Perazim, une percée majeure. Tu n'as pas besoin de plusieurs percées, mais tu as besoin d'une seule grande, gigantesque
percée qui secoue la terre et qui change ton histoire. C'est un principe du couloir. Quand une porte majeure s'ouvre, les petites portes n'ont pas le choix. Aujourd'hui, je déclare une percée majeure pour ta famille, une percée majeure pour ta vie, une percée majeure qui te mettra sur la carte géographique et qui fera de toi une référence, un point de repère, une percée majeure qui va essuyer les larmes qui ont coulé pendant des années, une percée majeure qui te fera connaître au monde, une percée majeure qui changera tout pour toi, une percée majeure qui fera de toi un monument, un point de repère, une référence dans le nom qui est au-dessus de tous les noms. Reçois une percée majeure. Ésaïe 63, 11. Ésaïe 63, 11. Et son peuple se souvint des jours anciens, les jours au temps de Moïse. Où est celui qui les fit monter de la mer avec le berger de son troupeau? Où est celui qui mettait au milieu d'eux son Esprit Saint? Ils se sont souvenus de ce que Dieu avait fait par son alliance quand il a choqué le monde. Chaque fois qu'il y a un problème qui arrive, c'est une occasion pour que ton Dieu montre combien de fois il est grand. Je prophétise sur toute personne connectée avec nous ce matin, cette pandémie du coronavirus et les problèmes que vous traversez, que le Père que vous servez vous montre combien il est grand. Toute personne qui se moquait de vous et qui attend, ils verront la main de votre Dieu. Ils verront la main de ton Dieu. Ils verront la main de ton Dieu. Ils verront la main de ton Dieu. Oui, tu es sorti de la pauvreté, du manque, de la honte et de la douleur. Même si tu n'as pas de point de repère, il n'y a pas une expérience passée de faveur ou de témoignage. Le grand-père était pauvre, le père était pauvre. Mais toi, tu seras le point de repère et la référence du Dieu qui garde son alliance. Sa main sera puissante dans ta vie. Sa main sera grande dans ta vie. Les gens te regarderont, ils verront la grâce, ils verront sa paix, ils verront l'accomplissement. Le Dieu qui garde son alliance te gardera en cette saison. Tu n'échoueras pas. Tu n'échoueras pas. Je termine ce matin en déclarant ses promesses pour t'entendre. Jérémie 1, 12. Je suis prêt à accomplir ma parole. Je suis prêt à accomplir ma parole. Donc, tout ce que nous avons dit ce matin, le Dieu qui garde son alliance l'accomplira dans ta vie. Jean 16, 24. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Tout ce que vous avez demandé en cette saison de votre vie, vos yeux le verront, vos oreilles l'entendront, et votre bouche témoignera. Matthieu 21, 22. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Nous célébrons avec vous bien en avance parce que vous viendrez donner des actions de grâce avec la preuve de ce que Dieu aura fait, des portes globales que Dieu aura ouvertes. Certains d'entre vous, ce que Dieu fera à travers vous, ce que vos mains vont gérer, vous n'aurez jamais pu imaginer que vous aurez pu bâtir une telle structure ou diriger une telle entreprise où vos enfants entreraient dans de tels lieux, que vos filles et vos fils se marierai dans des lieux de paix et de témoignage, que tous les enfants et fils et filles que Dieu vous donnera vous amèneront la joie et non des troubles ni problèmes. Toute personne qui est connectée avec nous ce matin, les années qui arrivent, que l'ennemi avait dit qu'il allait détruire, ces années seront les meilleures de votre vie, bien plus que ce que vous aurez pu imaginer. Préparez-vous car cela va s'accomplir. Jérémie 33, verset 3, invoque-moi et je te répondrai et te montrerai les choses que tu ne connais pas. En cette saison de ta vie, prépare-toi, car par l'alliance qu'il garde, il te montrera les choses secrètes, les grandes choses, les choses puissantes. Non seulement les petites choses, mais prépare-toi. De grandes choses, des choses puissantes arrivent, s'accomplissent dans ta vie.
Jean 16, 23. Jean 16, 23. 33. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Tout ce que, toute faveur, toute guérison, toute porte ouverte, toute percée, toute prospérité, toute puissance, tout but, tout progrès, toute protection, préparez-vous, ils seront accomplis, dans votre vie. Nous nous préparons à mettre fin à notre temps de prière. Je vous encourage pour notre temps de prière de demain à 6h du matin. Et demain, c'est aussi le jour de la Sainte-Cène. Préparez votre pain et votre vin. Nous allons sceller, comme nous l'avons fait aujourd'hui, nous allons le sceller avec le sang et nous allons le sceller avec le corps de Jésus qui a été brisé pour nous. Souvenez-vous toujours que nous ne sommes pas un peuple qui va ici et là. Nous n'avons pas une religion, mais c'est une relation qui a été scellée avec le sang et nous n'aurons pas à regretter. Il y a des gens qui ont scellé une relation avec le sang, des amours insensés, mais ils ont réalisé plus tard que c'était une erreur. Mais la nôtre, elle peut pas être brisée parce qu'elle a été scellée avec le corps de Jésus et nous la continuerons jusque dans l'éternité, car Jésus a dit, faites ceci jusqu'à ce que je vous reverrai. Gloire à Dieu. Rejoignez-nous donc demain. Et rappelez-vous également que dimanche, nous avons trois grands cultes qui seront transmis en direct de Prayer City. Ils seront transmis, diffusés en direct à partir de Prayer City. Le culte de 8 heures, il sera transmis sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Et le culte de 11 heures sera également diffusé sur KICC TV, sur la chaîne de télé de KICC. Et vous pouvez nous suivre sur Sky ou sur les autres antennes paraboliques à 11h. Et ensuite, à 18h, nous avons notre culte de miracles. Le culte de 8h s'appelle Life Class, donc les classes de la vie. C'est là où nous enseignons précepte sur précepte, ligne sur ligne, faveur sur faveur. En vous encourageant de marcher dans la grâce de Dieu, nous allons mettre fin à la transmission de notre programme pour ceux qui nous suivent sur Instagram afin que nous puissions l'enregistrer pour des rediffusions. Aujourd'hui, nous avons été bénis par le Seigneur partout où vous êtes, que le Dieu qui garde son alliance se montre puissant dans votre vie et qu'il accomplisse sa parole. Toute parole que Dieu nous a donnée, vos yeux le verront. Vous pouvez suivre encore ce temps de prière plusieurs fois. Si vous avez accès à Instagram ou sur YouTube, vous pourrez le re-suivre plusieurs fois. Que je veux mettre fin avec Ésaïe 55, verset 11. Ainsi, ma parole qui sortira de ma bouche ne retournera pas en moi vide, mais elle accomplira ce que je veux, et elle accomplira ce pourquoi je l'ai envoyé. Rappelez-vous que celui qui a prononcé cette parole est le Dieu qui garde son alliance, et il ne va jamais rompre une promesse sacrée. Et il ne change pas d'avis. Hier, je suivais un film, quand je me reposais un peu, je suivais un film d'une promesse qui avait été faite par un roi que si quelqu'un arrivait à combattre et vaincre une personne qui terrorisait leur village, cette personne serait le prochain roi. Et il s'est avéré que la personne qui n'avait rien accompli, celui qui n'avait pas terminé ses études, était celui qui avait tué le terroriste. Et ils ont dit non, mais il n'a pas terminé ses études et ils ont oublié leur promesse. Mais avec Dieu, ses promesses sacrées ne peuvent jamais être oubliées ni rompues. Que ce jour soit un jour de bénédiction, que ta maison soit entourée par la grâce de Dieu, que ta maison soit protégée. Aucun mal ne t'arrivera. Pendant que tu marches dans la volonté de Dieu, tu seras toujours en haut et jamais en dessous. Tu ne descendras jamais en dessous, tu resteras toujours au-dessus. Ta bouche va témoigner. Toute personne qui s'est moquée de toi parce que tu as passé ce temps de prière, ils verront que pendant que eux perdaient leur temps et que toi tu priais, mais tu auras déjà vaincu et tu seras déjà venu avec un témoignage. Le coronavirus ne va pas t'éliminer, mais tu seras ici et tu témoigneras, tu vas vaincre, tu seras toujours au-dessus et jamais en dessous.
Les flèches de l'enfer vont s'enfuir, elles vont échouer devant ta famille, devant ta vie. Tes jours, tu accompliras tes jours ici sur terre, et tes jours ne seront pas dans la tristesse ni dans le regret, mais tes jours seront passés dans la célébration. Chaque jour amènera la paix et la bénédiction que tu n'as jamais connue auparavant. Prépare-toi pour cela, cela sera grand et merveilleux. Ce sera grand et merveilleux. Ainsi soit-il, au nom de Jésus. Une fois de plus, rappelez-vous, restez en sécurité, toutes les mesures à suivre, respectez-les pour ne pas être atteint du coronavirus, lavez vos mains et lavez tout ce qu'il faut et restez chez vous et tout ira bien au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse.